Bienvenue dans la cuisine de Marina. Aujourd'hui, je vais réaliser des côtes d'agneau au four. La recette est rapide et facile à faire. Pour 500 g d'agneau, j'aurai besoin d'une cuillère à soupe de paprika, du poivre, quantité facultative, de la semoule d'oignon, à peu près 2 cuillères à soupe, 1 cuillère à soupe de jumbo, c'est facultatif, l'huile de romarin et de laurier. Vous ajoutez 2 cuillères à soupe. Voilà. Vous allez bien mélanger le tout. Pour l'étape suivante, j'aurai besoin d'un poivron rouge, un poivron jaune, 2 tomates, du persil et laurier, quelques gousses d'ail. Vous mixez le tout comme sur la vidéo. Vous voyez comment j'ai mixé. Pas fort. Hein. Vous ajoutez. Ensuite, je vais ajouter. Mes côtes d'agneau que j'ai déjà assaisonnées. Je vais encore ajouter le reste des légumes que j'ai mixés, comme sur la vidéo. Ensuite, je vais ajouter les carottes. Les amis, la version longue de la recette est disponible sur ma chaîne YouTube et ma page Facebook, La Cuisine de Marina. N'oubliez pas de vous abonner. Faites-y un tour. Je vais ajouter du papier alu. Je vais faire fourner, comme sur la vidéo. Hein. Je vais laisser 30 à 40 minutes au four à 220 degrés Celsius. Voilà le résultat, les amis. Si vous avez aimé la recette, n'oubliez pas de liker et partager. C'est très important d'encourager. Je vais accompagner avec les pâtes penne. Voilà, les amis, c'était tellement délicieux. C'était trop, trop bon. On se dit à demain pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de liker. C'est très important, les amis, et partager. Ciao.